Bonjour, démontage du moteur Arma Granit 4x4. D'abord, on déconnecte les deux câbles, noir et rouge. Voilà. Ensuite, en dessous, il y a une petite vis ici que moi j'ai déjà pré-dévissée pour gagner du temps. Voilà, qui est la vis du support de la batterie. Voilà. Ici. C'est une pièce rouge. On tire un peu dessus. On va faire venir. Voilà. Cette pièce-là. Ensuite, on enlève l'axe de transmission. Monté sur ressort, donc on pousse dessus, on tire et ensuite on fait glisser. Ensuite, il y a une petite poignée ici qui permet de soulever, qui permet d'enlever l'écran. Bon. On soulève et on pousse en même temps pour faire sortir le bloc moteur. Voilà. Bon, petit pot parce qu'il y a de la poussière. Voilà. Ça résiste un peu à cause de la poussière. Si ça marche pas, on prend un petit tournevis et on fait levier à l'arrière. Ça sort tout seul. Voilà. Il était ici. Je l'ai retiré. Ça, c'est la petite poignée qu'on soulève pour faire sortir le bloc. Ensuite, à l'arrière, vous avez trois petites vis ici à retirer que j'ai déjà prédévissées. Voilà. Ce qui permet d'arriver au bloc. Voilà. Et ensuite, deux petites vis à défaire qui se trouvent ici et ici, qui tiennent le moteur. Voilà. Et le moteur est là. Et voilà, ça m'a pris 3 minutes. Merci.